Comment allez-vous? Quoi de neuf? L'espoir. L'espoir et énergie positive. Énergie positive. Écoutez radio ici et maintenant 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Alors, info assez importante. Ce soir, tout à l'heure, après 106 ans de la génocide arménien, plus de 1,5 million de gens ont été massacrés en Turquie il y a déjà 106 ans, en 1905. Alors ce soir, Joe Biden, le nouveau président américain, il a reconnu ce génocide et quelques mots seulement, mais c'était intéressant. Tous les Arméniens du monde, surtout au mois d'avril, vont être ravis de cette nouvelle. Et moi aussi, je suis très content, puisque après 106 ans, encore Turquie ne veut pas reconnaître ce génocide. Et si on aurait commencé à condamner ce génocide arménien dès le départ, je crois qu'on n'aurait pas le génocide des Juifs dans les années 1940. Voilà. C'est-à-dire, le monde a retardé pour condamner cette massacre invoque d'un peuple fier dans l'histoire, avec culture et civilisation énorme. Ça, c'était catastrophique. La France, heureusement, Patrick de Vergiat n'est plus là, mais grâce à lui, la France a reconnu cette génocide et l'a condamné. Alors, sans aucun doute, M. Recep Tayyip Erdogan n'est pas content. Il a commencé à critiquer les Américains. Mais de l'autre côté, les Arméniens sont très contents de cette condamnation, de cette reconnaissance de génocide des Arméniens. Les Arméniens, moi, vous savez, je le connais, j'avais des amis arméniens depuis mon enfant. J'avais des amis musiciens dans mon club en Iran, et des amis jusqu'ici maintenant, jusqu'à maintenant. Vous savez, j'ai jamais vu aucune trahison, infidélité d'un ami arménien. C'est-à-dire, c'est un peuple vraiment pur, pur et saint. Et je crois que si tout le monde était comme les Arméniens, le monde pouvait être mieux que ça. Voilà, je suis très content pour les Arméniens. Et Biden a fait un acte assez intéressant. Voilà, mes chers amis. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a beaucoup d'autres choses à nous dire. On va parler ensemble ce soir, ici, maintenant. Vous pouvez composer le 08 92 23 et 95 20. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Merci, écrivain, historien, vous présente l'humeur du temps sur 95.2 FM et ici et maintenant.com. Et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com.